Mais elle a mis dans le lait. Elle a mis dans le lait. Membre à elle a Sira. Tonton le même, Amini, ton nom. Elle fait le ramassage de noix du quartier et l'extension du beurre du quartier. Vous produisez le beurre du quartier vous-même. Vous faites le beurre. Oui, tu n'as pas le lait. Et vous aussi utilisez le service Radio Marché pour diffuser l'information sur les produits dans la radio? Elle n'a pas le contact, mais on a délégué une personne comme lui, pas lui-même, mais il y a un autre qui est vers chez eux, ils sont pas du même village, et elle donne l'information de son huile à celui-là qui donne l'information. Voilà. Et vous êtes quel village? Quel est le nom de votre village? Sira. Sira. Ouais. Sira. Ouais. Elle s'est bise. Beaucoup. Il y a plusieurs femmes qui utilisent le service Radio Marché dans Sira. Toutes les femmes membres de l'IROCI et de leur association au niveau du village donnent leur information par la radio. Mais ce n'est pas seulement l'huile, le beurre. D'autres ramassent, ils n'ont pas le temps de transformer en beurre. Ils donnent la quantité de noix ramassées, tout simplement. Et dans les noix ramassées aussi, il y en a qui bouillent les noix bouillies et les noix non bouillies. Donc il y a la qualité de l'huile diffère. Donc il faut donner tous ces détails à la radio pour que celui qui veut les noix bouillies vienne acheter les noix bouillies. Celui qui ne veut pas les noix bouillies, la qualité de l'huile n'est pas la même. Voilà. Et la demande a augmenté ou changé depuis les diffusions à la radio? Ah mais hier, le noix, après Watine, comme il y a Bon, je pense que ça, il y a une petite amélioration, mais elles ne sont pas encore très contentes de l'amélioration. Parce que en fait, les noix qui sont bouillies, elles voulaient que ces noix-là soient payées à un certain prix. Et les noix non bouillies à un autre prix. L'huile qui sort des noix bouillies à un prix. Donc, alors que ce prix est un peu cher par rapport au revenu local, par rapport aux gens. Les gens veulent du tout ensemble.
Alors ce n'est pas ce que Dieu souhaitait. Donc l'augmentation, ils sentent l'augmentation, mais ce n'est pas à hauteur de ce pour elle. Parce que l'effort qu'elles font pour bouillir les noix, elles ne pensent pas que ça c'est vraiment bien récompensé encore. Même si les gens arrivent, donc ils payent les noix, tous azimuts comme ça. Au même prix, au prix des noix non bouillies. Voilà. Mais elle peut vendre plus qu'avant. Elle vend plus qu'avant, mais le temps qu'elle met pour les noix bouillies, ce temps n'est pas bien récompensé par rapport à ce que c'est. Même si la quantité est plus grande, elle souhaiterait avoir pour cette petite quantité de noix bouillies là un meilleur prix. Oui. C'est ce qu'elles n'ont pas, ils sont pas en train d'avoir. Donc le travail, c'est plus que le prix qu'elle peut avoir. Les autres femmes sont tentées de vendre sans bouillir, sans faire du beurre. Et d'autres font du beurre, mais ce n'est pas un beurre à partir des noix bouillies. Donc ça devient du beurre avec une odeur qui ne plaît pas aux gens. Donc les gens payent au même prix que le beurre mieux préparé. Voilà. Les gens qui achètent votre carité, ce sont les gens de la région, des tout près, ou ils viennent de loin, ils sont... Ben oui, il y a eu un ami, mais c'est lui, il y a eu un ami. Ah, oui, il y a eu un ami, il y a eu un ami, il y a eu un ami, C'est principalement des gestionnaires locaux. Il y en a qui viennent de Kuchala, ils ne sont pas nombreux. Il y en a qui viennent de San, qui sont généralement à 45 km de chez eux. Mais principalement, c'est les locaux. Mais quelqu'un qui peut venir payer plus d'une tonne, ils n'ont jamais eu. Donc, c'est des gens qui viennent payer juste pour leur consommation personnelle. Mais elles attendaient aux gens qui payent une tonne, sinon plus, mais ils n'ont pas ça là-bas. Et si les gens ne sont pas préparés à acheter la qualité supérieure, parce qu'elle a dit qu'elle a l'habitude d'amener l'huile bien faite là, dans une foire ici, vraiment, elle avait une bonne satisfaction. Parce que c'était une foire des agriculteurs, Bamako ici. Ah oui, donc à Bamako, c'est plus facile de vendre la qualité supérieure. C'était une foire des agriculteurs où tous les produits agricoles se rencontrent. Et les meilleures qualités sont mieux vendues. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un événement. Mm-hmm. C'est vraiment un événement culturel. Elle a raconté sur ça. Voilà, c'est un événement culturel. Et les femmes à Sira, elles utilisent le téléphone portable. Sira, le téléphone à main, c'est. Mais si on a écrit seulement dans
L'alphabétisation, ça, c'est pour les adultes qui n'ont pas pu réussir à l'école à partir de même 10 ans. Ou même déjà adultes. Hein, on peut apprendre. Donc la majorité des gens peuvent écrire. Sira, c'est elle qui, dans le village, c'est vraiment elle qui est très de secrétaire. Vous êtes la seule femme qui fait de l'écriture. Kan je vragen of je kan vragen wat ze beter vinden, of via sms of via spraak met elkaar te communiceren? Okay. Si vous faites des communications avec le téléphone, vous préférez parler ou écrire un sms? Au téléphone. Ou toi aussi à l'aide, ou au mail aussi. Il y a fois par an, on le voit au moins, on est à l'auto, le téléphone à quel? Bon, c'est plus facile de parler que de commencer à écrire un long message, mais si c'est en parler, c'est plus rapide. Mais vous pouvez, si c'est nécessaire, vous faire un SMS? Oui, il n'a pas encore fait ça.